1, 2, 3. Salut tout le monde! J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept très simple. On va tous avoir un plat identique avec certaines personnes qui auront un plat qui leur est proposé par la régie. Chaque personne devra faire semblant que tout va bien. Pendant la dégustation, aura lieu quelques débats pour démasquer la personne qui a le plat piégé. Celui qui aura un plat piégé et qui ne se fera pas démasquer gagnera 2 points. Celui qui trouvera la personne avec le plat piégé à la fin durant les votes gagnera 1 point. Et pour finir, celui qui réussira à bluffer et à ne pas se faire démasquer alors qu'il aura le plat piégé gagnera également 2 points. Attendez, j'ai oublié de vous présenter. Du coup, Camélia. On va accueillir Camélia. 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 Non, le mec il comprend pas. Wanda, il est beaucoup trop drôle. Vraiment mon humour prime que j'aime. Du coup, on accueille Farah, ma copine, Yasmine, ma copine, Andrew, RB. Là, je vais piéger les plats. Le premier plat, c'est des Kellogg's. Donc là, faut en mettre deux, du lait de soja, du vinaigre, de cidre et un zeste de citron. C'est parti. Oh, on est fatigué, on vient de se réveiller. J'aimerais bien manger des céréales. Du coup, avant de commencer les petits débats, on va instaurer une petite difficulté, c'est-à-dire que tout le monde va manger sa petite cuillère et absolument personne ne va parler, on va tous se regarder. Que une cuillère? Oui, une cuillère. Une bonne plusieurs, cuillère. J'ai faim, moi. Allez, j'ai trois. Mmh. Ça va, Maha? Là, ça va. J'aime bien les mêmes. Trop bon. Tu peux en goûter? Pas encore fini. Yasmine? Ouais. Ça va très bien? Non. À gonfler les narines. Tu connais le gonflage de narines en mode... Moi j'analyse les deux choses. Ouais. Ouais, ça va? Fais mmh. Ah. Ah. Ah, t'as rien mangé là? Non, j'en avais aller. Moi je propose qu'on finisse notre bol. Hein. T'es d'accord? Si, on finit le bol. Ah, t'es pas d'accord? J'aime pas trop le lac, quoi. Moi je soupçonne Nara. Moi non. Bah vous savez quoi, manger vous deux et on les observe. Battle entre Farah et moi. T'as pris... du lait, prends du lait. C'est bon. On passe au boss. 1, 2, 3. Je sais pas c'est quoi ce bordel. Vous savez que ça pue le vinaigre. Vous aimez pas? Mais si. Oh, vomis pas. À ce point là. Vas-y, viens, on fait un acting. En vrai, non, vraiment pas. Salut, ça va? Comment t'as pu me faire ça? Je t'ai vu bon. Fais comme si j'ai couvert sur son téléphone. Tiens. Ouais, Jessie. Comment t'as pu me faire ça? Je voulais pas trop. Me touche pas. Ah. Pourquoi tu veux pas me regarder dans les yeux? Parce que j'ai l'impression que t'as envie de me manger. Tout est relié à la nourriture finalement. Est-ce qu'on passe à la suite, s'il vous plaît? J'ai faim! Les gars, deuxième manche, on va manger des pâtes au fromage de chez... C'est même pas ça. Bon les gars, deuxième manche, nous allons manger des pâtes au fromage. Donc on sait pas comment Régie a saboté les pâtes, mais en tout cas, bon appétit à tous. Mmh. Ouais, ça c'est vraiment c'est mes pâtes. Ça va, ça va. Tu veux faire d'une fourchette du fait pour moi? Camélia, tu peux manger? Bah oui. Mais moi, c'est mes pâtes préférées, vous allez pas me la faire. Hein. Le quoi? En fait, tu vas pas me soupçonner. Reste à ta place. Yasmine! Oh là là, je la connais! Elle a fait les yeux du piquant, elle a fait. Vas-y, Yasmine, mange. Tout le monde observe Yasmine. Regarde. Lève les yeux. Oula. Ouvre les yeux bien. Camélia, t'as pas fini? Ah ouais, moi je mange. Moi, c'est tes pâtes préférées. Je voulais ralentir le truc. Tiens, sans boire. Enlève le verre, ça va. Y'a rien du tout, hein. Je comprends pas. Je vais te le prendre tout à l'heure. T'es pas préféré quand même avoir mangé, toi? Bien sûr. Herbé, mange. Tout à l'heure, je mange. Vas-y, remange. Mais j'étais con, quoi. Un écoute. Non, je suis allergique. Allergique à quoi? Je suis allergique à tout, vous savez très bien mon écoute tout le temps. Mais t'es allergique à quoi, du coup, ici? Moi, c'est bon, moi, j'ai ma suspecte. Mais non, ça me voit pas, c'est pas le préféré. Mais vous êtes malade, en fait. Vous êtes vraiment en train d'être sur la mauvaise personne. Et y'a quelqu'un qui se camoufle derrière moi, là, je vous le dis. Hein. Ah mais non, c'est pas du tout. Camélia, je t'ai déjà vu prendre plus simple. Mais les filles, on va manger après encore. Ça me fait rien du tout, c'est très bon. Et puis ça coule à flot. La vie de ma mère, ça... Au nom de Dieu, ça pique. Au nom de Dieu, ça pique. Ça pique.
ça pique de ouf. Tiens là, tu vois pas depuis tout à l'heure, je débite, fais ça. Ça brûle. Bon les gars, comme vous l'avez constaté, un grand bravo à RB qui a bien caché son jeu. Et lorsque quelqu'un cache bien son jeu, il gagne 2 points. Et lorsque quelqu'un vote du coup pour la personne qui n'a pas réussi à cacher son jeu, donc moi, gagne 1 point. Donc je pense que toute la table a 1 point minimum déjà. Ouais. Oui, toi t'as 3 parce qu'il a bien caché son jeu. Parce qu'en fait, il est habitué à manger du piment chez, avec sa mère. Après, rien à voir. C'est juste que j'ai juste caché mon jeu. Je suis désolée, je pensais que ta maman faisait du piquant. Après, on peut arrêter de parler de ma maman. Gros bisous à la maman de Hervé. Chantal, Chantal, Chantal. Toi, toute la planète Terre va savoir le blaze à ma mère maintenant, les gars. Gros bisous, ta mère, elle a YouTube? Je vais lui montrer. Non, mais elle a YouTube, mais je vais lui montrer. Parce qu'en fait, elle te regarde pas, en fait. Arrête, moi. Period. Tu tiens à dire qu'il voulait dire period. Period. Il a dit period. J'ai fait exprès, c'était pour le jeu d'acting. À l'intérieur, on a mis du jus de citron, du poivre, du vinaigre, du tabasco, du sel et du lait de soja. Voilà, la rendu finale est là. Voilà, incroyable, c'est parti. La troisième manche avec les smoothies, en espérant qu'on ne soit pas piégé durant cette manche, parce que je pense que ça va vraiment être écœurant de boire quelque chose de bizarre. Boire, tu le ressens direct là, on va boire. Ça veut dire, commencez pas à vous regarder direct parce que vous allez cracher. Lui, frère, il a juste mangé, m'a craché un truc ici. 1, 2, 3. Elle là. J'aime pas les fruits. Non, même pas abuser comme on n'aime pas les fruits. Là, t'abuses. Quoi? Tu peux boire? Ah. Non. Andrew. Tu veux boire devant toi? Carrément, je te chine. Au cinéma. Très bon. Farah. Très bon. J'aime pas les fruits. Mais je vous jure que c'est bon. Ah, Camélia. Faut boire. T'as juste sauté en fait. Ouais. Tout le monde a bu comme ça. Pourquoi c'est pas commence, toi qui... Commence, commence. À toi, Camélia. T'as rien pris là? Oh, tu dis, j'ai bu. Tu tires la langue. Je peux pas. Andrew, vas-y, revois, s'il te plaît. Moi, y'a pas de s'il te plaît. Elle aime trop les fruits. Toute l'année, elle me dit elle aime trop les fruits. T'as vu? Ok, on en a 3 déjà, les 3. Et peut-être que moi, je fais semblant. Ah ouais? Non. Comment t'as craché le fil là, gluant? Bon, les gars, étant donné qu'on vient de comprendre qu'il y avait un seul d'entre nous qui avait un bon jus, donc je pense qu'il y a que moi qui kiffe ma vie depuis tout à l'heure. Je pensais que Farah était de mon côté. Donc, du coup, on va devoir voter pour celui qui l'a pas. Non, c'est Camélia, c'est bon. Ah ouais, c'est elle. C'est Camélia qui l'a pas. Ouais, c'est Camélia qui l'a pas. Ouais, c'est Camélia qui l'a pas. Moi, je vote tout. 1, 2, 3. Je vous ai tué. Il est dégueulasse, mon smoothie. La vie de ma mère, j'ai envie de vomir depuis tout à l'heure. C'est qui a pas? C'est elle, je crois. Par la comédienne. Ah non, c'est pas. T'as pas goûté celui de Moha alors qu'il a craché dedans. Mais il a craché dedans. Pourquoi tu l'as laissé mourir? Arrêtez de vomir. Je fais une prise sur Moha qui crache et sur Andrew qui boit son truc. Hein. En tout cas, on peut tous confirmer que c'était la pire manche. Et là, c'est les panini. Du coup, là, on va mettre de l'harissa. Je mets du poivre. Nous allons manger des panini en espérant que j'ai un bon panini parce que là moi je suis à deux doigts de vomir. Non moi je peux plus. Pareil. Que tout le monde là est à bout et en plus on a très faim donc on espère tous avoir un bon panini. J'ai plus faim qu'eux mais vas-y c'est pas grave c'est qu'un détail. Ouais. Ça change pas d'habitude. Un petit panini kebab, j'espère que ça va vous plaire. Bon appétit à tous. Bon appétit. Par contre t'es suspecte. Tu rougis. T'es le piment ça. Non c'est parce que je suis là. Ah. Oh là. Vous goûtez si vous voulez. Alors bien
narines. Oh, putain, elle a fait les narines. Tu penses ? Non, les gars, je déguste. Regardez, j'ai presque fini. Celui qui dit que je mens. Non, bah, comme d'habitude. Tu carbures. Pas moi. C'est lui. Depuis quand il mange pas ça? Ouais, ouais, alors qu'il avait grave faim. Bref, c'est herbé. Bah, vous deux bonbons. C'est ce qu'on va faire. Ah, j'ai les deux. Ouais, moi aussi les deux. Bon, les gars, on passe au vote. Du coup, je pense qu'on a tous le même soupçon. 1, 2, 3. Farah. Moi, je vote pour Yasmine. Farah, t'as 4 votes contre toi. Herbé. Moi, j'ai voté contre moi. Oui, tu veux protéger Farah. Il a laissé le, c'est ses votes. Parce que Farah, c'est ma femme. Il rigole. Hein. Il rigole. Du coup, Farah perdante, Farah verdict. Est-ce que ça piquait? La vérité, c'était moi. Ah. Ok, bon, et j'avoue que c'était moi aussi, mais... Ah. Bon, les gars, les 3 personnes retenues durant ce jeu qui ont gagné le plus de points sont moi, bien évidemment. Voilà, on peut m'applaudir. On peut applaudir Herbé. Herbé, il est dégoûté d'aller en finale parce qu'il va encore manger en fait. Et Yasmine, mon bébé d'amour. Farah, Moha et Andrew. Merci pour la participation, ils ont pas été à merci pour l'invitation. Dégagez s'il vous plaît. Du coup, on va faire la manche finale avec 3 yaourts. Ça va se jouer entre moi, Yasmine et Herbé. On va devoir se dégoûter. Retrouvons pour la grande finale avec Herbé, Yasmine et moi, les grands finalistes. Donc voici ici 3 yaourts avec 3 numéros pour vous montrer que cette fois la régie ne sont pas complices du piège. Nous allons piocher tous les 3 un papier et choisir du coup le yaourt en fonction du numéro que nous allons piocher. Herbé est dégoûté d'être en finale parce qu'il doit encore manger. Pour une fois que j'ai pas envie de manger. Ok, on va piocher les papiers, honneur aux hommes. 1, 2, 3. Je suis numéro 1. Mais ouais, sur la fille de ma mère. Mais qui t'a dit que le 3 il a un problème? Parce que je voulais même pas le 3 parce qu'il est trop proche de moi, frère. Allez, je prends le 2. 1, 2, 3. J'ai un truc à dire. Étant donné que c'est la finale, le gagnant doit prouver et doit finir son yaourt. C'est parti. Herbé, mange ton yaourt. Moi je te mens pas, moi. Les produits laitiers sont pas mes amis pour la vie. T'en manges juste, t'as envie de voir ta réaction. Ah, quand je mange, mais je mange pas tout, parce que vas-y, c'est trop sinon. Je mange jamais des yaourts, les gars. À toi, Yassi. Moi, j'ai du mal à avaler. Hein. J'ai du mal à avaler. À toi. J'ai pas du mal à avaler. Mais ouais, débite, frère. Ah, toujours toi, elle, c'est chelou, elle. Voilà. Ouais. Ah. Je suis vraiment désolée pour ce désagrément. En tout cas, moi, vous me soupçonnez non, ou pas? Non, toi, c'est bon, t'as beaucoup besoin de moi. C'est bon, on a terminé. C'est sûr, tu vois que je... Yasmine, vas-y, remange une cuillère, ma vie. Mais j'ai envie de vomir, déjà. Regarde-moi. Non, mais sérieux, ferme les yeux pour avaler. J'ai une petite tranchée. D'ailleurs, pour manger ton panini qui pique, là, t'avais une grosse tranchée. Hervé, mange. Vas-y. C'est tout petit, hein. Ah! Que j'aime pas le yaourt. Attends, petite question à la régie, il y en a que un qui a un truc ou deux? Allez, on passe au vote. Moi, merci. Ok, les jurys vont dire leur verdict chacun son tour. Vous pouvez remanger tous une grosse cuillère? Non, c'est bon. Oui, ouais, bien ouais, sûr. Oui, non, oui, jury. Camélia n'a rien. Camélia n'a rien. Mais Camélia, t'es bizarre là. Ouais, tu veux non, trop mais attends. T'es pas recouche. Ah, j'ai un trottage, tu trottages. C'était nous. Vous saviez quoi? Sel. Andrew, s'il te plaît, j'ai pas craché dedans, ne t'inquiète pas. Regarde si tu vas pas te décomposer. Tu peux, ça. C'est impossible. Alors, juste. En fait, là, c'est genre mon concept, c'est genre ma chaîne et c'est genre moi la gagnante quoi. Ah, on dirait que c'est truqué alors que pas du tout. Non, juste trop fort. Bon, mes amours, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un trop bon moment avec tous mes invités. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Défoulez-vous dans la barre de commentaires. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour plein de nouveaux concepts comme ça. Et merci beaucoup à tous mes invités d'être venus avec moi.